Salut YouTube, aujourd'hui je t'amène avec moi randonnée VTT. J'ai perdu la voix, mais vous verrez les magnifiques paysages dans le désert des Parthenas. Ça va être fou. Voilà, ça y est, je vous ai amené avec moi lors de ma sortie donc, dans le désert des Parthenas. Comme vous avez pu le voir, j'étais malade, complètement à faune. D'ailleurs, je suis toujours un petit peu malade. En ce moment, je pense que c'est d'avoir fait ma première injection du vaccin, ça a dû détruire un peu mes défenses immunitaires. Et du coup, je suis un petit peu maladou, mais bon, ça va revenir. Et du coup, pour vous parler un petit peu du désert des Parthenas, je voulais vraiment le partager avec vous parce que j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'informations finalement sur Internet et beaucoup de fausses informations. Il faut savoir que le désert des Parthenas est relativement fermé. J'ai trouvé qu'il n'y avait que certaines... En fait, les routes adaptées aux voitures sont possibles, mais on peut très peu aller sur les sites. Déjà parce qu'il y a un site militaire qui prend une grosse majorité des Parthenas, et parce qu'il y en a d'autres qui sont fermés quasiment tout le temps, d'autres coins des Parthenas qui sont complètement fermés à l'année. En ce qui concerne du coup le tour des Parthenas, le désert, je vous conseille sincèrement de le faire à vélo, parce que ça a été, je pense, la meilleure solution. Le faire à pied, c'est totalement possible, mais dans le sens où nous ne pouvons pas rester faire de bivouac, c'est totalement interdit. Et il y a un gardien que nous avons vu plusieurs fois, donc du coup, je vous le conseille pas. Mais en gros, il vous faut effectivement prévoir qu'il vous faut revenir. Il n'y a pas d'eau dans les Parthenas. Il y a très peu d'endroits où on peut se protéger du soleil. Après, le faire en voiture, les personnes qui l'ont fait en voiture, enfin, franchement, je les enviais pas plus que ça. Oui, peut-être qu'ils avaient la clim dans la voiture, mais au final, nous, le fait d'être en vélo, ben, c'était beaucoup plus immergent et on a vraiment eu le temps d'apprécier la sortie. Nous avons fait 36 km. On aurait pu ajouter 24 km, mais une partie a été donc du coup fermée parce qu'il y avait eu des intempéries la veille, que je regrette beaucoup parce que c'était la partie où il y avait un beau point de vue. Un des plus beaux points de vue et ceux pour lesquels j'étais le plus motivée, mais bon, c'est comme ça. Et donc, comme je vous disais, vraiment pas du tout de point d'ombre. Les personnes à qui nous avons loué les vélos, donc c'est un shop où ils ont plein de vélos, des vélos électriques et des vélos classiques. Moi, je vous avoue que j'ai pris un vélo électrique parce que, comme vous avez vu, j'étais complètement malade. Si vous passez dans le coin, du coup, dans la zone de dans la région de Navarre en Espagne, autant y aller. Et puis le lendemain, nous sommes allés à Olite,
qui est un village un peu similaire à la cité de Carcassonne, pour ceux qui voient le type de château que c'est. Au passage, je suis bel et bien revenue avec quelque chose d'Espagne. J'ai acheté de l'huile d'olive faite justement avec les oliviers qui sont dans le désert des Bardenas. Du coup, oui, j'ai bien ramené mon huile d'olive du désert des Bardenas. Voilà, les personnes qui nous ont loué les vélos étaient tellement adorables, mais vraiment le mot est faible, c'était vraiment des amours, que c'était en achetant cette huile d'olive, c'était un peu comme contribuer à l'économie locale et au bon fonctionnement en fait de leur établissement. Donc ça faisait plaisir. J'espère sincèrement que ma vidéo vous a plu. Je vous attends encore une fois en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, toujours pour me soutenir dans mes expéditions. Je vous souhaite encore une fois de prendre bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!